Donc nous avons terminé la formation, la rencontre avec la marque, parce que c'était pas une formation voilà, comme on peut voir dans des séminaires ou des choses comme ça, c'était hyper convivial. Donc là on est en direction du Derma Center avec toute l'équipe SkinCeuticals, c'est nous 5, donc il y a Laurette, Nicole, Marcia, Janane et moi. Donc on fait partie des 5 youtubeurs, des 5 personnes à pouvoir participer à ce projet qui est hyper intéressant avec SkinCeuticals. Donc là, direction le Derma Center pour un diagnostic de peau, pour une ordonnance beauté avec la marque. Donc on va repartir avec notre routine adaptée et je pourrai vous en parler directement sur ma chaîne pour ceux et celles qui sont intéressés. Ça y est, nous arrivons au Derma Center avec SkinCeuticals. Bonjour. Merci. Voilà, donc on est arrivé. Vous avez différentes marques. Les soins SkinCeuticals qui sont au fond. Sanoflore, Rouge et Galier, voilà. C'est hyper mignon. Avec le fameux. C'est génial, c'est-à-dire que c'est gratuit. À un moment, déjà un, voilà, un, c'est gratos. Le principal est là. Pour voir l'état de sa peau. Donc les petits loups, on vient, on se renseigne sur soi-même, d'accord? On a des gens qui veulent nous aider à se sentir mieux. On dit pas non, voilà, on dit pas non. Ah, bonjour, enchantée. Bonjour. Donc vous avez ici les 5 marques cosmétiques actives qui sont représentées ici. La Roche-Posay, Vichy, Sanoflore, Roger Galier et SkinCeuticals. Donc là, vous avez vraiment un concept store totalement différent. On est spécialisé dans les diagnostics de peau. D'accord. On va y passer tout à l'heure. Donc avec la fameuse machine qui est juste ici. Voilà, je vous présente la bête. Voilà. Donc c'est un outil diagnostique qui nous permet d'analyser votre peau sous 8 critères. Les rides, les taches, les cicatrices, les rougeurs, l'activité bactérienne, les rides de déshydratation, la texture. On voit aussi la simulation de vieillissement sur 5 à 10 ans. Pour les taches pigmentaires, vous êtes situé depuis l'enfance, dans les salles de classe, vitrée se situe sur la gauche. Donc la majorité de droitier n'est pas bon sur la copie. Du coup, on est plus photosensible à gauche qu'à droite. On est plus vieux à gauche qu'à droite aussi. Donc c'est pour ça que je prends la photo à gauche. D'accord. Parce que j'aurai plus d'informations qu'à droite. Fermez les yeux. Relaxez-vous au maximum. Ne souriez pas. Il se détend. Vous êtes depuis combien de temps? Ça fait bientôt 2 mois maintenant. Minimum 2 mois et 3 mois pour voir l'efficacité oui. D'un produit. On va voir sur ton verdict, toi, Pierre. Ouais, tu peux. Hein. Tu sens le stress qui monte. Ah, bah, oui. Moi, je trouve que t'as une belle peau comme ça. Hein. Les peaux mixtes, ta grâce, c'est ça qui lisse le mieux. Arrête, oui. Toi, tu dois avoir un 20 sur 20. Hein. Arrête. Tant qu'on n'aura pas régulé cette dilatation des pores, vous aurez toujours des bonnes. Par contre, votre nettoyage de peau est plutôt bien fait. On peut faire mieux, mais il est vraiment bien fait. On est à 65%. C'est bon, ça. Il n'y a pas d'acné. Je vous rassure. C'est la simulation du mais non. Alors là, c'est donc oui, je vois bien les petits plaques dont vous parlez. J'ai toujours des petites gouttes sur le nez. Je vois tout à fait. Donc là, c'est votre peau aujourd'hui. On va voir à quoi ça ressemblera sur 5 à 10 ans en pire et en mieux. C'est parti. Courage. Les taches, oh là là, les taches profondes qui ressortent, les pores qui dilatent, et voyez, il n'y a pas de ride d'expression. Ah non, pas du tout. Hein. Une ride, ouais. Donc il faut juste booster l'hydratation. Ouais. Et pour la zone frontale, c'est plus de l'expression, je pense. Oui. Honnêtement, du beau temps. Tant que vous réagirez ouais, avec cette expression, ça va marcher. C'est en mieux. L'hiver, si tu veux, tu te prends des tâches. Surtout que l'antioxydant, on peut même le mettre en tapotant. Alors, la texture gel, c'est pas obligatoire, on peut le lisser légèrement. On insiste surtout sur les zones nez, joues, front. Ensuite, quand on
trop des yeux. Là, Oxide Gel, le matin. Et le soir, pendant un petit temps, c'est le Toléra Neutralieux, mais c'est vraiment important. Je regarde votre contour de l'œil, c'est surtout sur l'extérieur au niveau des tempes que c'est déshydraté. Donc on commence par cette zone. Comme ça, il y aura un petit peu de jour frotté. Métacel au niveau de B3, c'est votre soin. Le matin. Une à deux pompes, ça suffit. Plus vous mettrez de la crème, plus ça brillera. Donc, simplement laisser faire. D'accord. Là, c'est infini, c'est la plus petite. Coucou. On les bien, on sous la barbe. Et on termine par le bien. Si vous souhaitez faire le décolleté. En face photo. Je termine par la protection solaire. Donc là, on a mis SPF 30. C'est minimum en vie. D'accord. Ça, c'est légèrement teinté et mat. C'est ça. D'accord. Donc si vous avez des brillants sans cours aujourd'hui, vous pouvez en remettre. Vous chauffez le produit depuis 30 heures de main propre. Vous êtes à côté des brillants de la semaine. Si vous en avez déjà appliqué, ça vous va? Ça me va très bien. Bah, parfait. Voilà, donc je viens d'arriver. Donc on a eu, on a pu rencontrer toute l'équipe de SkinCeuticals et ils sont mais juste incroyables, ils sont adorables, hyper accessibles, hyper intéressants. On a pu échanger sur la marque, on a pu discuter entre nous, se présenter. On était vraiment un comité assez restreint, c'était hyper familial, convivial, mais j'ai adoré. Donc vraiment très très chouette. Les rencontres qu'on a pu faire aujourd'hui étaient vraiment sympas. Donc on a fait vraiment de très très belles rencontres aujourd'hui. Alors pour vous expliquer, donc j'ai pu voir qui c'est qu'il y avait parmi les youtubeurs, parmi les influenceurs et les personnes qui participent à ce projet. Donc il y a Janan qui est avec nous, il y a Nicole Tonnel, donc je pense que vous connaissez sur ma chaîne, il y a Laurette, je m'attendais pas du tout à la voir là et je la suis, j'adore cette fille, elle est hyper rigolote, elle est fun, elle se prend pas la tête, elle est nature, franchement j'aime beaucoup. Et ensuite, il y avait Marcia qui a fait la saison 1 du BeautyTube, qui est hyper mignonne. Elle est adorable, franchement, on s'entend tous bien, donc c'est bien, on était 5, on a des univers différents, on a tous un âge différent, donc on est tous complémentaires entre nous, et c'est vraiment un esprit d'équipe, c'est vraiment chouette. Donc je vais vous montrer un peu les produits que j'ai ramenés, il n'y a pas tout, parce que c'est vraiment, on a eu une routine de soins bien adaptée au Derma Center, donc d'ailleurs, pour les Parisiens et les Parisiennes qui me suivent, je vous invite vraiment à aller là-bas, parce que c'est... vous avez tout un diagnostic et une ordonnance beauté qui est faite par Fanny et qui est juste hyper pointue, adorable en plus de ça, très professionnelle, elle a une approche du soin que moi j'adore. Donc je vous invite vraiment à aller au Derma Center si vous voulez tout connaître sur votre peau, parce que franchement j'appréhendais un peu au début mais ça fait peur. J'ai appris beaucoup de choses sur ma peau aujourd'hui, donc j'ai appris qu'elle était grasse et non pas mixte. Alors ça, j'ai eu un peu de mal au début, mais elle est grasse sans trop, sans excès. Elle est sensible, ça je ne savais pas du tout, mais étant donné qu'elle est quand même épaisse, il y a une sensibilité, il peut y avoir une inflammation qui se crée au niveau des couches de la peau, donc ça je l'ai appris aussi. J'ai une peau déshydratée, ça c'est pas nouveau. Ma routine de soins que j'utilise est bien, elle est adaptée, mais par contre il manque des actifs, donc c'est pour ça que SkinCeuticals c'est là pour ça, parce qu'ils apportent vraiment des actifs bien ciblés selon des problématiques, selon un type de peau, selon une attente particulière, donc ça c'est intéressant aussi. Et là je m'apprête à participer au live sur la chaîne de Nicole, donc il sera passé le live à l'heure où vous verrez ce vlog. Mais par contre, je vous invite à aller sur la chaîne de Nicole parce qu'elle aura diffusé, elle aura publié le live. Donc ça va être hyper intéressant parce que on s'aperçoit avec Nicole qu'on est un peu sur le même, on joue sur le même terrain au niveau de l'approche du soin. On a vraiment la même passion pour le soin et on recherche à peu près les mêmes choses au niveau du soin. Sauf que je suis un homme, c'est une femme, on n'a pas du tout le même âge. Donc du coup, on a une approche différente mais qui est très très intéressante et qui est très complémentaire, je trouve. Donc Nicole m'a gentiment convié à participer à son live, donc vraiment je la remercie. Nicole, je suis sûr que tu passeras par là, donc je te remercie, c'est hyper agréable de ta part et c'est hyper sympa. Je vous invite à aller voir ça, je vous mettrai le lien de toute façon de la vidéo dans la barre d'infos. Je vais vous montrer vite fait quand même les produits que j'ai ramenés. On a eu un tote bag SkinCeuticals, j'adore les tote bags, c'est hyper pratique. Une petite mallette comme ça pour ranger nos petits produits, des pliants pour pouvoir avoir de la doc sur la marque, sur la peau, et ça c'est juste top. Moi j'aime beaucoup les marques comme ça.
qui vont plus loin dans le soin et qui détaillent bien et qui s'axent vraiment sur, sur des principes actifs hyper intéressants. Donc tout d'abord j'ai eu le minéral mat, ça c'est le protecteur, pensez à protéger votre peau même tous les jours, même s'il n'y a pas de soleil, que vous pensez qu'il n'y a pas de soleil, il y a toujours des agressions extérieures. Donc là on est parti pour moi sur le mat SPF 30. Ensuite en crème de jour, en traitement de jour, c'est cette gamme là qui permet d'agir vraiment sur les pores, qui permet d'agir sur l'hydratation, de rééquilibrer la peau en fait avec une texture hyper légère. Donc ça c'est vraiment vraiment bien, j'ai hâte de l'essayer. Ensuite qu'est-ce que j'ai eu, le fameux sérum antioxydant. Donc il y a plusieurs antioxydants chez SkinCeuticals. Pour moi c'est le Floretin CF qui permet d'agir vraiment sur l'éclat du teint, sur les pores, qui est léger. Il va traiter également les résidus de déshydratation et aussi les pores. Donc ça c'est vraiment bien pour tous les jours à utiliser dans sa routine de soins. Un antioxydant c'est hyper important. Je vous en avais parlé de toute façon des antioxydants dans une de mes vidéos. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste au-dessus. Ensuite, contre les imperfections, il y a celui-ci, c'est le Blemish Plus Age Defense. C'est le traitement anti-imperfection, c'est un correcteur. Enfin, c'est la gamme correction, pardon. Donc, ensuite, on a eu, ah oui, on a pu choisir aussi un parfum de la, dans la marque Roger Gallet. J'ai pris le Ylang, il sent divinement bon. J'adore cette odeur, c'est un truc de fou. Et ah oui, et ensuite pour mon contour de l'œil, parce que je me suis aperçu par le biais du Derma Center et du test, le diagnostic, que j'avais le contour de l'œil qui pouvait être sensible et irrité. Donc Fanny m'a dit d'utiliser ce produit là localement et pas tous les jours, c'est vraiment en cure. Et si vraiment j'ai un problème de peau, pour apaiser le contour de l'œil, c'est un anti-poche, un anti-irritation et un soin apaisant pour le contour de l'œil. Donc ça c'est vraiment chouette, j'ai hâte de le tester celui-ci, de le laisser poser même un petit moment. Et voilà pour les produits. Donc on va recevoir le reste de la routine, parce qu'il manque les masques, il manque les nettoyants, voilà, il manque pas mal de petites choses, donc on les recevra directement. Ça me permettra vraiment de les essayer, de vous en parler dans un petit moment pour vous donner vraiment mon avis sur les produits, comment je les ai trouvés, est-ce qu'ils sont efficaces, quelles sont leurs propriétés, etc. Pour ceux et celles qui cherchent à avoir vraiment des conseils bien aboutis et bien poussés, je vous invite vraiment à vous renseigner, alors soit au Derma Center, soit dans des instituts, allez sur le site de SkinCeuticals, vous avez un onglet pour retrouver quels sont les points dans votre ville et qui proposent les conseils, qui proposent les produits SkinCeuticals. Ça vous permettra vraiment d'avoir un diagnostic personnalisé. Et ça c'est hyper important, le soin personnalisé, parce qu'on est tous différents, on a tous une peau différente. Donc voilà, il vaut mieux avoir affaire à une personne qui saura vous dire ce qui est fait pour vous. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse, je vous dis peut-être à plus tard, peut-être que je prendrai la caméra. Salut tout le monde, on se retrouve dans l'ascenseur. Donc je viens de prendre ma valise, je quitte l'hôtel. Je vais me rendre, j'ai rendez-vous à 9h45, je vais me rendre au studio France 2 pour l'enregistrement de 2 épisodes de Je t'aime, etc. Je vous dirai sur les réseaux sociaux, parce que l'épisode je pense qu'il sera passé ou il va être peut-être en cours de diffusion quand vous allez voir ce vlog. Voilà, donc hier soir, super soirée avec Nicole, on a mangé ensemble, elle a été adorable avec moi, elle est super super super, j'aime beaucoup cette femme, c'est une femme vraiment extraordinaire, donc j'apprécie vraiment de passer des moments avec elle, on a appris à se connaître un peu plus. On a fait un live qui est génial, je vous invite à aller le voir. Alors il dure je crois 1h20 en 2 vidéos, mais on a tellement ri, on trouvait pas d'endroit où le faire, on s'est retrouvé devant un parking souterrain à caler l'iPad derrière des grilles, enfin c'était vraiment à mourir de rire, on a vraiment passé un bon moment, puis sa communauté elle est vraiment, on est super super gentille. Voilà, donc là on a petit déjeuner, il est 9h05, j'ai rendez-vous à 9h45 au studio France 2 avec Juju et Maïlis. On sera que 3 cette fois-ci au tournage. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Étage 0. Super, merci monsieur. Hey, regardez, les beaches sont là. Ça va? Comment ça va? Tu t'es pris pour une star là, t'arrives? La berline, en fait. C'est ça, non mais... Jamais de mon vie. Ça y est les amis, on a fini le tournage de Je t'aime, etc. Ah. I love you, etc. C'était vachement bien, encore une fois. Donc là, on va chez L'Oréal. Avec un invité très spécial. Tout à fait.
Donc la vidéo sera sortie, je vous invite à aller la voir sur la chaîne de L'Oréal Paris France. La voix. Donc ouais, live sur la chaîne de L'Oréal Paris France avec une invitée mystère, comme d'habitude pour les vendredis live. Et ensuite, ensuite on nous a dit, on parle pas pour rien dire. Je couperai pas au montage. Parlez surtout pas ça, pour rien dire. Ça c'est très clair. À tout à l'heure, le poupée. Connasse. Alors, ah pardon. Bon là tu verras pas, j'en ai même. Bon ça y est, on vient de finir le live et l'invité mystère était. Donc l'invité était. Tu pourras me. Donc c'était vraiment cool, je vous invite vraiment à revoir la vidéo qui est en replay. Donc allez la voir sur la chaîne de L'Oréal Paris France. Elle est hyper cool, hyper détendue, c'était on est en famille. Je suis en vacances. Ah, bien. Ça va bien. J'entends ton voix. Je pense qu'il va aller. Allez, je vous fais le bisou. La prochaine fois. La meuf qui squatte. Oh, Michael. 17 novembre. Est-ce que là... On est au Starbucks. On a fini le live. Starbucks. 3 jours de fou, aujourd'hui le live avec Ticia qui est adorable, franchement c'était hyper, hyper chouette de la rencontrer, je la connaissais pas, donc vraiment ravi d'avoir fait sa connaissance. Et voilà, donc je ramène des produits L'Oréal, je vous en parlerai, ce sont les produits pour hommes, c'est cette gamme là. Donc je vous en parlerai, j'ai toute la gamme à tester et puis voilà les amis, donc rendez-vous dans le train ou plus tard, on verra. Ce vlog va être très long, donc je pense qu'il sera séparé en plusieurs jours. Voilà. Salut tout le monde, on se retrouve. Il est très tard, il est minuit. Je viens d'arriver à la gare de Bayonne, donc j'attends qu'on vienne me chercher. Voilà, donc c'était un super séjour encore une fois sur Paris. J'ai vraiment adoré, j'ai hâte d'essayer les produits SkinCeuticals et de pouvoir vous en parler plus tard. Donc je vais clôturer le vlog maintenant, j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc j'espère qu'il y aura plein d'autres vlogs comme ça, hyper intéressants pour moi et pour vous. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous à tous, bye.